Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal magazine repoussée de 2 heures en raison de la diffusion du match de football qui a opposé les Marocains du Raja de Casablanca aux Tunisiens de Pyramide FC. Le score final, vous le savez, 0-0. Nous avons du moins pris soin, comme chaque dimanche, de vous préparer votre partie magazine. Des rétrospectives et un dossier très intéressant sont à suivre sur la manipulation des corps sans vie en province. Mais l'actualité nous oblige de vous proposer en priorité les informations de dernière minute. Des mesures conservatoires nécessaires seront prises dans les prochains jours par les ministres sectoriels concernés par les conclusions de l'inspection générale des finances sur les graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, établissements et services publics. Il y a pratiquement une heure, le porte-parole du gouvernement du président de la République était sur ce même plateau pour lecture du communiqué du cabinet du chef de l'État sur les modalités de ces instructions du chef de l'État. Je vous propose de suivre Tarsis Kassongoumema. Cabinet du président de la République. Communiqué officiel. Le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation, des membres du gouvernement, ainsi que des mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille de l'État, des services et établissements publics que lors de la 8e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 juin, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a, sur fond des conclusions de l'Inspection Générale des Finances, IGF, dénonçant de graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, des établissements et services publics, instruit les ministres sectoriels concernés à prendre des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Dans le souci d'éviter tout malentendu à l'exécution de cette instruction hiérarchique lors de la prise des mesures conservatoires précitées et de parer à tout dérapage attentatoire aux acquis de l'État de droit, sur instruction de la haute hiérarchie, le cabinet du président de la République tient à préciser que l'édiction des dites mesures se fera suivant un cadre opérationnel qui sera défini par le cabinet de Son Excellence Monsieur le Président de la République en concertation avec le cabinet de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, dans l'observance des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en l'espèce, la loi numéro 08-010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux établissements publics, le décret numéro 13-055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État et le décret numéro 13-056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics selon le cas. Tout ce qui précède relève de la volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de cette instruction et de préserver la continuité des services publics d'une part et la paix sociale au sein des entreprises et établissements publics concernés d'autre part. Les ministres sectoriels concernés par ces mesures conservatoires seront incessamment tenus informés de ce cadre opérationnel pour exécution. Fait à Kinshasa le 20 juin 2021, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est actuellement à Goma. Le chef de l'État tient sa promesse de s'installer momentanément dans cette ville, chef-lieu du Nord Kivu, pour suivre de près la situation sécuritaire. Ce dimanche, Goma a reçu une aide humanitaire en provenance de Brazzaville. Il s'agit précisément de 80 tonnes de vivres, dont de la République sœur du Congo, destinées aux sinistrés de Goma. De précision dans ce reportage de Benjamin Moulamba, Chichimbita et Giscard Kousema. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive au voisin affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et Action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette Ilushin Cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC. Et nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Et vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait, et j'espère que j'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville, sous la direction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondongue, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie d'abord Madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous et les ministres des Affaires humanitaires, donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi, je vous remercie. Nous remercions aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes et là, nous recevons 39 tonnes dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit Madame la ministre, et nous sommes très, très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise et nous remercions beaucoup le peuple frère de Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Et décidément, la chaîne de solidarité pour Goma est loin d'être rompue. Tous les jours ou presque, des avions relient le chef-lieu du Nord Kivu avec des dons. Les Kinois de la capitale viennent eux aussi de répondre à l'appel de solidarité aux sinistrés de Goma. Des biens alimentaires ont été remis ce dimanche au gouverneur Constant Dima par Godard Motemona, ministre national de Mines. Françoise Welawaki et Gédéon Motombo étaient sur place à l'aéroport de Goma. On n'est pas de distance. Il a traversé 2000 km entre Kinshasa et le Nord Kivu ce dimanche 20 juin 2021 pour venir souffler le sentiment que le volcan Nyiragongo n'a pas pu éteindre à Goma. Nous n'avons pas hésité. Dès que le président a lancé cet appel, le peuple de Kinshasa s'est mobilisé à travers notre association Banakinaspel pour compatir avec le Goma très saint. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, les habitants de la capitale, à travers l'association Banakin, que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, viennent de poser un geste de cœur en faveur de leurs compatriotes de Goma sinistrés.
Il était accompagné de quelques élus nationaux dont Jean-Charles Okoto et José Dayoni. C'est un geste d'amour, de solidarité vis-à-vis de nos frères pour montrer que le Congo est un et indivisible. Au nom des bénéficiaires, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a eu des mots de gratitude. Au retour, Excellence, vous allez transmettre le remerciement de tous les Goumatraciens et Goumatraciennes, à tous les Kinois à travers votre organisation, pour ces gestes d'amour. Le don des Kinois est constitué des biens alimentaires, essentiellement sucre, haricots, sémoules et des huiles. Avec l'argent collecté à Kinshasa, nous avons acheté ça ici. Sur conseil d'ailleurs du numéro 1 congolais, c'est-à-dire du président de la République. C'est lui qui nous a conseillé de venir sur place et de venir remettre ça sur place. Le Congo est un, ceci n'est qu'un premier geste de solidarité des Kinois. La crise volcanique que connaît actuellement la ville de Goma donne matière à penser sur la gestion de catastrophes. Les autorités provinciales du Nord Kivu proposent après étude des réponses adaptées. Elles ont soumis à un plan de contingence de gestion de catastrophes au ministre de l'Intérieur par l'entremise du ministre en charge de l'Industrie. José Baïtouambo nous explique. Qui héberge des volcans actifs, Nyiragongo et Nyamuragira obligent les autorités congolaises d'avoir un plan de contingence de gestion des catastrophes naturelles pour éviter une surprise comme celle de la dernière éruption du Nyiragongo qui avait pris tout le monde à court. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont, sur demande du gouvernement de la République, élaboré les plans de contingence 2021-2030 avec comme objectif assurer la prévention mais surtout garder l'alerte devant toute situation d'urgence. Ces plans de contingence présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation par son collègue de l'Industrie sera désormais une boussole dans la gestion des éruptions volcaniques et s'articule autour des trois axes avant, pendant et après la crise. Le plan national de contingence décrit toutes les activités qui doivent être menées au niveau de la surveillance du volcan, au niveau de l'évacuation de la population et au niveau de comment, lorsque la crise prend fin, on peut ramener la population dans la ville. Toutes les activités à réaliser sont contenues dans ce plan et donc pour le gouvernement militaire, il restait une seule activité, c'est la signature de ce plan national de contingence par son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit opposable à tous les pays de la région des Grands Lacs. C'est donc la mission comme point focal du gouvernement qui m'a été confiée par la province et je viens de la réaliser en remettant officiellement ces documents importants pour la République. Daniel Asselo Kito Akoy a promis de jouer de tous ses prérogatives pour l'exécution du dit plan. On n'en parle presque plus dans son sens propre, si ce n'est par l'actualité judiciaire et politique autour. Et pourtant, le parc agro-industriel de Bukangalonzo continue de fonctionner avec des productions en maïs. Des échantillons de sa production ont été justement présentés au ministre national de l'Agriculture par le coordonnateur de ce parc. Images et commentaires. Au-delà des différentes difficultés rencontrées, relancer complètement le parc agro-industriel de Bukangalonzo reste l'une des problématiques majeures pour le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga Berriand. En témoigne le suivi progressif et l'évaluation minutieuse des multiples paramètres pour y parvenir. Déjà, dans le concret, les membres du comité directeur de ce parc sont venus présenter au ministre de l'Agriculture l'échantillon des productions, essentiellement de farine de maïs et de semoule de maïs. Notre production officiellement a été présentée aujourd'hui en maïs, en farine de maïs et en semoule de maïs. Puisque l'Excellence nous a donné plusieurs missions à accomplir, nous sommes venus aussi lui faire rapport de toutes les missions qu'il nous a demandé d'effectuer sur place et sur Bukangalonzo. Et nous allons être heureux de vous dire que nous sentons que les choses bougent, puisque les rencontres, les contacts que nous avons donnés commencent à produire les effets positifs. Cette production en maïs a été réalisée sur 1500 hectares et déjà 700 environ sont passés à la mouture pour la transformation, in fine pour la commercialisation dans les différents points de vente. On ne le dira jamais assez, l'agriculture reste l'un des axes prioritaires dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration du social de la population congolaise.
Il fait partie de nombreux lieux de négoce et trafic tant licite qu'illicite de marchandises et produits miniers du pays. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Comment y gérer en permanence le poste frontalier de Kasumbalesa? Ce reportage revient sur la question. Trois sujets ont figuré à l'agenda de plus de deux heures d'échange entre le président de l'Assemblée provinciale, Dio Katanga, et le ministre provincial des infrastructures. Le patriarche Gabriel Kyungwa Kumanza et Miguel Katembe Kachal ont tablé sur les travaux de construction du nouveau siège du Parlement provincial. Lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux avancent en désemparé et dans les 12 mois à venir, ils seront achevés et le président de la République pourra l'inaugurer. Le premier des élus provinciaux du Haut-Katanga et le patron des infrastructures en province ont également évoqué la situation de la cité parlementaire de Tchamalalé. À ce sujet, le ministre Miguel Katembe Kachal a annoncé à son hôte la reprise bientôt des travaux de réhabilitation des routes dans cet espace où sont construits les logements des députés provinciaux. Les deux personnalités ont enfin abordé l'épineuse question de la gestion du poste frontalier de Kasumbalesa. Une crise se dessine entre l'Assemblée et l'exécutif du Haut-Katanga d'un côté et la DGDA de l'autre. Nous avons discuté sur la mission de l'ancien KDP, appelé aujourd'hui FPK, poste PKF. Nous avons discuté là-dessus à ce qui concerne la gestion. Comme vous le savez, le président était à la frontière il y a quelques mois afin de pouvoir palper du bout du doigt et essayer de comprendre la réalité de cette gestion. Le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Gabriel Kyungwa Kumanza, est rassuré de l'implication de l'exécutif provincial. Dieu merci, nous avons relancé les choses auprès de l'exécutif. Le gouverneur s'est investi, il a vraiment engagé le ministre de l'Infra, comme je l'appelle, qui a tout fait pour qu'on puisse ressusciter les chantiers. En fait, les bâtiments du PFK avaient été construits par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais la gestion est passée à la DGDA, chose que les élus provinciaux ont du mal à digérer. Le Monde a célébré hier la journée de lutte contre la drépanocytose. La fondation d'Elisina Kerochi Sekedi, qui a fait de cette lutte une priorité de ses actions, vient de lancer une campagne médiatique de sensibilisation. Des artistes, leaders d'opinion et médecins y sont associés, et même la première dame. Voici en image l'extrait d'une des nombreuses capsules de cette campagne médiatique. La drépanocytose ou l'anémie SS est une maladie, ce n'est pas une malédiction. Un enfant atteint de l'anémie SS n'est pas un enfant maudit, ni un enfant sorcier. Cette discrimination et ce rejet envers les personnes et surtout envers les enfants atteints par l'anémie SS est une souffrance ajoutée à leur souffrance. Cela doit cesser. Les personnes SS ont besoin de compassion, de soutien et d'attention. Elles ont besoin d'être accompagnées le mieux possible pour mieux apprendre à vivre avec cette maladie. Chers frères et sœurs, n'ajoutons pas de la souffrance à leur souffrance. Avec la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, ensemble, cessons la discrimination. Semaine pleine et globalement consacrée à la situation sociale et sécuritaire du Nord Kivu et de l'Ituri pour le président de la République de Goma à Beni, en passant par Boutembo et Bounia. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déployé plusieurs activités en rapport avec sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans ces différentes provinces en état de siège. Des heures de travail résumées pour vous en 5 minutes par Pierre Kibambeso Moïsa. Victime de l'éruption volcanique du Nyiragongo, Goma n'est pas laissé pour compte. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est allé exprimer sa compassion à la population de cette ville touristique frappée par cette calamité naturelle et apporter du réconfort aux sans-abri dont les maisons ont été englouties par des laves. Sur place à Goma, le chef de l'État a circonscrit l'objet de sa mission dans l'est du pays, précisément dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en état de siège au cours d'un point de presse. D'entrée de jeu, le président de la République a rassuré avoir piloté à distance la gestion de la catastrophe survenue le 22 mai dernier avant de venir réconforter la population, se mettre à son écoute, la rassurant qu'elle n'a jamais été oubliée.
Le chef de l'État a ensuite annoncé qu'il allait se rendre à Beni et à Nitouri pour une évaluation de l'état des sièges. Il a aussi évoqué sa rencontre à la frontière avec l'Ouganda à partir de la localité congolaise de Kassindi dans les territoires de Beni. Enfin, le président de la République a présenté le grand industriel australien, patron de la firme internationale FMG, engagé à concrétiser le projet Grand Inga. Intense activité à Goma. Le président de la République a partagé sa journée de lundi 14 juin 2021 avec les sinistrés du Niragongo. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République s'est rendu au pied du volcan dans le groupement de Kibati. C'est d'ici qu'est partie la coulée mortelle des laves. Il a suivi les explications de l'observatoire volcanologique et s'est imprégné des dégâts causés par la lave du volcan. Le couple présidentiel a visité le site des déplacés près du stade de Kibati et la clinique mobile érigée pour la prise en charge gratuite des sinistrés. Il s'agit d'un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui servira de lutter contre les maladies survenant de la promiscuité des déplacés de Kibati. C'est par l'école primaire Kayembe qui a accueilli le plus grand nombre de déplacés que le couple présidentiel a clôturé sa tournée. Toujours dans le cadre de sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Beni. Dans ses chefs-lieux du territoire portant le même nom, le chef de l'État n'a pas tenu de meeting populaire en signe de compassion avec la population de cette partie du pays, victime des attaques meurtrières à répétition. Il a plutôt eu des échanges avec des groupes représentatifs des forces vives à qui il a exprimé sa solidarité à la population de Beni, rassurant qu'il a toujours demeuré à ses côtés. L'état de siège décrété dans le Nord Kivu devra permettre aux FRDC de démanteler les sanctuaires des groupes terroristes et les anéantir, a souligné le chef de l'État. Kassindi, à la frontière avec l'Ouganda, dans les territoires de Beni, a aussi accueilli le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'y est rendu pour rencontrer son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux chefs d'État ont procédé au lancement des travaux de rénovation de 223 km de route dans le cadre d'un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier et l'accord de développement du projet concernant la construction et la rénovation des routes nationales entre les autorités ougandaises et congolaises. Le président de la République n'a pas quitté Beni sans avoir visité la ville voisine de Butembo qu'il a atteint en fin de journée par route. À la grande satisfaction de la population de cette contrée du Nord Kivu, à cette population, Agnès massée sur le principal carrefour du centre-ville, le chef de l'État a réitéré son engagement et sa détermination d'en finir avec les forces négatives dans la région avec la montée en puissance des forces armées de la RDC. Après Butembo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le même jour à Bunia. Dans le chef-lieu de la province de l'Ituri, le chef de l'État a présidé le vendredi la réunion du Conseil des ministres qui s'est notamment appesanti sur l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires jugées satisfaisantes. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a aussi réuni à Bunia les responsables de services de défense et de sécurité. La réunion a porté sur l'évaluation des opérations militaires qui doivent s'intensifier. La journée de l'enfant africain a été célébrée, vous le savez, le 16 juin dernier. Cette semaine est également celle qui a vu les écoles et universités de Beni reprendre leurs activités. Vous avez également suivi sur nos antennes les conséquences dans les hôpitaux de la grève des infirmiers. Retour sur l'actualité des 7 derniers jours avec Gina Wabiwa au commentaire. Nuit fermée durant 15 jours sur l'étendue du territoire national. C'est parmi les mesures prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour lutter contre la troisième vague du Covid-19. L'artiste comédienne Mama Chako n'est plus. Elle a succombé à l'hôpital HJ de Limité après s'être retiré quelques dents.
crash avion Kin Avia à quelques mètres de l'aéroport de Kavumu à Bukavu. L'avion s'est écrasé 4 minutes après son vol, causant la mort de 3 personnes, un pilote, un copilote et un passager. Affaire Bukangalonzo. Pas de poursuite contre Matata Ponyo. Au cours d'une plénière, 49 sénateurs ont voté contre la levée des immunités pendant que 46 étaient favorables. Célébration Journée mondiale de l'enfant africain. Le Premier ministre a célébré cette journée à la primature. Samalou Kondé a reçu les plaidoyers des enfants et a lancé les 15 jours des activités en marge de cette célébration. Save the Children a également, au cours de cette 30e célébration, sensibilisé les enfants sur l'éducation égalitaire, ce qui devra permettre la réussite et l'épanouissement de la jeune fille, levier du développement d'une nation. La grève des infirmiers s'est poursuivie et fait des victimes. Les bébés prématurés et enfants ont été vus abandonnés à leur triste sort à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et à l'hôpital général des références de Kinshasa. Grâce à la paix retrouvée suite à l'instauration de l'état de siège à Beni, les écoles et universités rouvrent. C'est le cas de l'université chrétienne bilingue de Beni. La route nationale numéro D, tronçon Goma-Rutshuru et Goma-Sake en pleine réhabilitation après les dégâts causés par l'éruption volcanique du 22 mai dernier. La situation sécuritaire avec l'évolution de l'état de siège dans la province de l'Ituri au cœur d'une séance de travail entre la ministre près le président de la République Nana Manonina et une délégation de la jeunesse itourienne en séjour à Kinshasa. Décès du premier président zambien Kenneth Kaunda à 97 ans, il est considéré comme le père de l'indépendance de la Zambie qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans. Prolifération des stations-service à Kinshasa, parfois construites sans le moindre respect des normes urbanistiques. Cette question mérite l'attention des décideurs pour protéger la population contre des cas d'incendie. Après plusieurs reports, la cérémonie des remises reprises au cadastre minier est enfin fixée pour ces 2 juillet sur instruction du Premier ministre Samalou Kondé. Laurent Gbagbo respire l'air ivoirien depuis quelques jours. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, acquitté il y a moins de 3 mois par la Cour pénale internationale, a déclaré à son arrivée à Abidjan se sentir plus africain qu'ivoirien. Pendant ce temps en France, Nicolas Sarkozy est coupé de 6 mois de prison ferme et une amende de 3750 euros à l'issue de son procès contre Big Malion. Voici le résumé de l'actualité africaine et internationale. Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale il y a moins de 3 mois, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré ce jeudi 17 juin dans son pays après 10 ans d'absence. Après avoir traversé les rues d'Abidjan, Laurent Gbagbo a retrouvé ses militants au siège du parti. « Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique », a-t-il déclaré, « car en prison, je savais que j'étais ivoirien, mais j'appartenais à l'Afrique tout entière ». Kenneth Kaunda est décédé cette semaine. Le président de la République de Zambie et père de l'indépendance zambienne s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 97 ans. Surnommé Kaka, cet ancien chef d'État qui a dirigé le pays pendant 27 ans était hospitalisé dans un hôpital militaire de la capitale Lusaka pour une pneumonie. Un deuil national de 21 jours a été décrété pour honorer sa mémoire. Débutée le 8 juin dernier, la contestation ne faiblit pas en Tunisie, précisément dans la capitale. La population dénonce la mort suspecte d'un jeune interpellé par la police. Le mardi 15 juin, les protestataires ont mis le feu à de pneus et lancé de pierres sur les forces de sécurité. Le gouvernement tunisien pourrait être entendu la semaine prochaine par une commission parlementaire. L'Afrique du Sud, durement frappée par la 3e vague du coronavirus, vient de décider de retirer 2 millions de vaccins Johnson & Johnson en raison d'un problème de non-conformité lors de sa fabrication aux États-Unis. Des tests ont révélé que les composants du vaccin AstraZeneca, fabriqués dans la même usine, avaient été mélangés par erreur à sa formule.
La rencontre tant attendue entre Joe Biden et Vladimir Poutine a finalement eu lieu à Genève en Suisse le mercredi 16 juin. Le président américain et son homologue russe ont échangé pendant 4 heures en tête-à-tête. Au terme de cette première rencontre, Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entendus pour un retour de leur ambassade respective, rappelé par Moscou puis Washington en mars et avril dernier. 6 mois de prison ferme et une amende de 3 750 € ont été requis jeudi 17 juin au procès Big Malion contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République française était poursuivi pour les dépenses excessives de sa campagne électorale de 2012. Et enfin, le Britannique Karim Khan est le nouveau procureur de la Cour pénale internationale CPI, élu en février pour un mandat de 9 ans. Il a prêté serment le mercredi dernier, âgé de 51 ans. Il succède ainsi à la Gambienne Fatou Bensouda. Vous est-il déjà arrivé une fois de penser à quoi ressemblerait une ville de près de 400 000 habitants sans morgue? Eh bien, la réponse n'est peut-être pas loin de vous, car votre imagination ressemble bel et bien à Issirou. Cette ville, chef-lieu de la province du Haut-Uele, n'a pas de morgue pour assurer l'entretien et la conservation de corps. Comment alors sont manipulés les corps sans vie dans cette ville, surtout en cette période de la virulente troisième vague de la Covid? C'est l'objet de ce dossier. Chef-lieu de la province du Haut-Uele est une agglomération de plus de 450 000 habitants avec un taux de mortalité estimé supérieur à 2%, ne dispose toujours pas d'une morgue pour la conservation des corps. Une situation qui ne laisse pas indifférent la population, surtout en cette période de résurgence des cas de Covid-19 due à la troisième vague. La manipulation de n'importe quel corps est un danger permanent de contamination. Plus de 4 fois, j'ai eu à manipuler les dépouilles mortelles. Et la dernière fois, j'ai lavé sans dents les corps ensanglantés de mon voisin décédé à l'hôpital général. Certains corps décèdent des maladies inconnues et contagieuses. Voilà pourquoi une morgue est nécessaire dans notre ville d'Issirou. Oui, dans ces décors, le besoin d'avoir une morgue à Issirou est plus qu'une nécessité pour garantir la vie de la population chaque fois que survient un cas de décès dont l'inhumation demande du temps. Mais comme à l'impossible nul n'est tenu, à Issirou, certains corps se conservent jusqu'à 10 jours à condition que les agents sanitaires les formalisent. Docteur Pierrette Sungasusu Mogu du centre médical Mayogo revient aussi sur les conséquences de cette pratique. Il y a des produits que nous infiltrons pour conserver le corps pendant des, même 10 jours, si c'est un corps qui doit se déplacer pour des kilomètres. Ce sont des produits irritants, ça a des propriétés qui peuvent causer des préjudices à des personnes qui s'y approchent et sa protection. Nous devons avoir la morgue. Il y a d'autres familles qui ne sont pas avec nous ici. Ils auront besoin de voir les corps de leurs membres qui est décédé. Curieusement, l'hôpital général de référence d'Issirou dispose en son sein d'une vieille acquisition en morgue depuis 5 ans, mais qui n'est pas opérationnelle par manque de moyens pour son installation. Docteur David Kamalou Batiogomou, médecin directeur, déplore la situation et relève quelques préalables pour la mise en marche de ces équipements dont il craint la désaffectation car bloqués depuis lors dans une cage. La morgue ici a une capacité de 4 corps. C'est encore condamné, on n'a jamais ouvert ça. Ce qu'il faut pour que la morgue démarre, on doit avoir un bâtiment qui va abriter les services de la morgue. Il faut qu'on puisse arriver à trouver des tables d'installation pour qu'on puisse expérimenter si cette morgue est opérationnelle. Nous dépendons des groupes électrogènes, ce qui pose quand même un problème pour la rationalité, pour que la morgue soit automatique, fonctionnelle 24 heures. En sa qualité de médecin chef des zones de santé urbano-rurale d'Issirou, Dr Gilbert Malango déconseille sa population de manipuler les corps sans aucune expertise préalable du personnel soignant. L'hôpital général de référence d'Issirou dispose d'une salle des morts par où doit transiter toute dépouille avant sa remise aux membres de famille. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne peut pas nous permettre de manipuler les corps n'importe comment parce qu'on n'a pas de morts. Il y a quand même des salles des morts dans nos hôpitaux. Il y a quand même un personnel qui peut faire le minimum pour que nous puissions protéger ceux qui sont restés en vie. Nos frères taximènes, avant de transporter un corps, on doit avoir un certificat délivré par les services de l'hygiène.
Comment les autorités compétentes vont-elles réagir? Le dossier reste bien ouvert. De plus en plus, les avis convergent sur la promotion de l'entrepreneuriat comme outil de développement et de lutte contre la pauvreté dans le pays. Et de nombreuses structures se spécialisent dans la formation et encadrement de jeunes intéressés. C'est le cas du groupe Texaf. Suivez ce reportage d'Angèle Landoumabiala. Immense avec un poids démographique assez important, Kinshasa est confronté à beaucoup de défis, notamment le chômage des jeunes. Mais notre principale philosophie est la promotion des richesses du Congo. Maintenant, on va un coin plus loin au niveau de Silky Village et on met en exergue, on promeut les cerveaux congolais. C'est véritablement l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'initiative de jeunes congolais qui ont des belles idées et à qui on doit insuffler l'idée qu'ils ont une parfaite légitimité à défendre leurs idées, à défendre leurs projets. Bien formés et bien encadrés, ces jeunes sont à même de devenir des créateurs d'emplois. Nous offrons une prestation de soins à domicile grâce à un réseau de professionnels de santé qui sont actuellement autour de 80 médecins, 25 infirmiers, 15 laboratoires et 5 kinésithérapeutes qui offrent des prestations à domicile. Nous avons la mission de relever les défis et pouvoir offrir à la population chinoise des jus de fruits sains, des jus savoureux, des jus de qualité, sans additifs, sans colorants, sans conservateurs, sans arômes, tout en intégrant dans notre chaîne de production les métiers agriculteurs afin d'impacter positivement sur la production locale. Comme partout ailleurs, il y a des initiatives d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans leurs propres affaires. Il y a des outils pour concevoir des prototypes, concevoir des premiers exemples de ces services ou de ces produits, et donc de tester comment le client s'en saisit. Des start-up congolais ont aujourd'hui des opportunités à saisir. Nous comptons aussi développer, insuffler le business angeling. Le business angeling, en fait, c'est de créer des philanthropes. Donc il y ait des clubs d'investisseurs qui se développent davantage pour pouvoir investir dans toutes ces entreprises, ces pépites que nous accompagnons. Le grand défi que nous avons ici dans notre environnement, c'est l'accès aux ressources pour ces jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour ces jeunes de pouvoir défendre leurs projets et trouver des potentiels investisseurs qui croient en leurs projets et qui peuvent investir. Et donc c'est excellent parce que c'est une première. Et je crois que c'est des activités qui doivent se développer davantage. Il suffit d'être regroupé et d'avoir une mission claire. Pour un bon modèle d'entrepreneuriat, Texaf est là pour assurer le suivi, la formation et l'encadrement. Plus de 30 ans après sa création, l'Institut supérieur pédagogique de Tchikapa, première institution universitaire de la province du Kasaï, est encore locataire dans l'enceinte de la paroisse Saint-André. Et c'est seulement en 2021 que cet institut ambitionne s'installer dans ses propres bâtiments où un laboratoire a été équipé au grand bénéfice de ses utilisateurs qui sont des étudiants en sciences exactes. Parmi les 6 instituts supérieurs pédagogiques du pays, dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire, avec le financement de la Banque mondiale, l'ISP Tchikapa est doté de matériel de pointe et de dernières technologies dans les laboratoires de biologie, chimie et physique, où une formation continue du personnel enseignant est assurée par les experts afin de mieux prester. Nous sommes dans le laboratoire de chimie et je suis en train d'installer le matériel qui a été livré pour pouvoir faire des expériences. En fait, l'utilité ici est que les étudiants apprennent les phénomènes physiques que l'on voit dans la vie de tous les jours et qu'on les explique. L'actuel comité de gestion, avec à sa tête le professeur Joël Mbingilukwasa, directeur général, l'ISP Tchikapa a acheté un lot important d'ordinateurs pour équiper la salle informatique. Parce que depuis des années, l'ISP a toujours fonctionné dans l'enceinte de la paroisse Saint-André. C'est vrai que nous sommes ici à l'ISP Tchikapa, c'est notre joli site. Mais nous avons pris une décision courageuse, même impopulaire, de demander à ce que tous les étudiants montent. Les efforts conjugués de tout le comité de gestion donnent les fruits que vous êtes en train de voir. Pour rappel, l'ISP Tchikapa organise à son sein 5 sections
mais seulement la section sciences naturelles et exactes, ainsi que l'option informatique technologie qui ont basculé vers le système LMD depuis la rentrée académique 2020-2021. Aux autorités. Un pur bonheur pour les génies de sciences exactes. Et ceux inscrits en sciences de l'information et de la communication à l'Université internationale Al-Mustapha à Kinshasa ont visité la rédaction de la Radio-Télévision nationale congolaise. Un premier contact avec la vie professionnelle pour ceux apprenants. Mouyal Mangal. Les enseignements théoriques assurés par l'université et l'observation de la réalité en milieu professionnel dans le secteur de l'audiovisuel. C'est pour répondre à cette préoccupation que l'Université internationale Al-Mustapha a organisé une visite guidée de ses étudiants en SIC à la direction des informations télévisées à la RTNC. Le choix porté sur la RTNC par les autorités académiques de cette alma mater s'explique par le fait que cet établissement public a accumulé une très longue expérience dans la pratique de la gestion de l'information. Première étape, la salle des rédactions, lieu des échanges de points de vue, parfois contradictoires, pour construire l'information. Après la sélection des faits retenus comme nouvelles, le journaliste se trouve en face du monteur pour la mise en forme. Des étudiants de l'Université internationale Al-Mustapha ont découvert les rouages de la production et de la circulation de l'information, notamment les régies et les studios. Maintenant ici, nous avons vraiment trouvé la réalité, le travail, c'est toute une procédure qui se passe. Bon, on a remarqué vraiment, c'est tout un bien. Cette alma mater, située sur Sayo, dans la commune de Kassavubu, organise en son sein plusieurs facultés, à savoir les sciences informatiques, le droit, la théologie et le développement communautaire, les sciences économiques et de gestion, et bien évidemment, les sciences de l'information et de la communication, source de visibilité. Et ceux en exercice, les journalistes donc, étaient en formation à Kinshasa sur le journalisme de droits humains et la couverture médiatique, une formation organisée à Kinshasa par journalistes pour les droits humains, JDH, RDC, Marie-Louise Kivuilambela. Des questions liées au genre et aux droits humains doivent occuper une place de choix dans la production quotidienne des journalistes appelés à promouvoir l'égalité, notamment en accordant la parole à tous sans exception aucune. Ces principes de taille ont été largement décortiqués au cours de cette formation, axée essentiellement sur le journalisme de droits humains et la couverture médiatique. Une initiative de l'ONG internationale Journalists for Human Rights, DRC, cette organisation canadienne basée en RDC, multiplie ce type de formations pour renforcer les capacités des chevaliers de la plume. De manière succincte, M. Prince a fait l'économie de l'historique du JDH avant de passer la parole à Trésor Panda, auprès de qui les journalistes ont saisi la portée des questions essentielles lors de la collecte, traitement et diffusion de l'information, gage du respect des droits humains. Ce que nous leur demandons, c'est de s'approprier tout ce qu'on a dit à travers les différentes matières abordées. Si nous, journalistes, on n'arrive pas à parler concernant tout ce qui se passe, qui ont trait par rapport aux droits de l'homme, personne d'autre pourra en parler à la même fréquence que nous, journalistes. Si nous le faisons, facilement ça passe et facilement ça pousse au changement. Dans son intervention, Mme Evelyne Louiello est revenue sur le respect du genre dans le traitement de l'information. La dernière à prendre la parole, Elda Elong. Cette dernière a rappelé le règle d'or pour l'écriture d'un papier de presse qui doit être simple pour faciliter la compréhension. Dans la réalisation des reportages qui mettent en lumière l'essentiel, notamment la sélection des angles quand il faut traiter une information. JDH RDC qui a organisé cette formation, cette fois-ci à l'intention des 15 participants, dont 5 hommes et 10 femmes. Venus des médias publics et privés, ne ménagent aucun effort pour outiller les journalistes à Kinshasa comme en province à travailler avec beaucoup plus de responsabilités, d'impartialité et d'objectivité tout en respectant les aspects liés au respect des droits de l'homme.
L'entretien du mausolée, disais-je, des Tien Tshisekedi est pris très au sérieux par l'UDPS. Ce qui est aujourd'hui un haut lieu touristique doit être à la hauteur de son occupant, a déclaré Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, était hier sur place à Lambikaï. Reportage. Ce n'est rien d'autre qu'un geste symbolique qui traduit la grandeur des faits docteur Étienne Tshisekedi Mulumba Derez Mémoire. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a procédé au remplacement de tous les drapeaux en mauvais état qui garnissaient les mausolées où repose pour l'éternité ces vaillants combattants de la démocratie à Kimpoko dans la commune de Lantsele. Des plis normales pour un homme qui avait fait du nationalisme, du patriotisme et la démocratie ses credos tout le long de son parcours politique. L'événement a entraîné une mobilisation spontanée et massive des combattants, dont la bonne proportion des parlementaires debout et les jeunes des forces du progrès. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, a profité de l'occasion pour faire passer un message de l'unité, de cohésion au sein de l'IDPS pour garantir au chef de l'État une meilleure matérialisation de sa vision au profit du peuple. Juste après, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a eu une séance de travail avec la jeunesse qui est fer de lance de son parti. Le numéro 2 du parti présidentiel a conscientisé ses interlocuteurs sur la nécessité de suivre une formation professionnelle à l'INPP pour avoir une qualification professionnelle. Ensuite, il a condamné certains dérapages constatés ces derniers temps dans les réseaux sociaux où certains parlementaires debout tiennent des propos discourtois à l'endroit des partis alliés. L'octroi de crédit aux entreprises pour garantir un taux d'intérêt attendu exige une gouvernance bancaire adéquate en assurant un contrôle tout au long de l'exécution du crédit. C'est après recherche que M. Faustin Kayembe a fait cette conclusion. Sa thèse a été soutenue cette semaine. Rodé Panda est au commentaire de ce reportage. Impact de la gouvernance bancaire sur les risques de crédit accordés aux entreprises avec les applications empiriques sur les banques commerciales congolaises de 2010 à 2017. Cette étude doctorale a été réalisée par le chef de travaux Faustin Kayembe de l'Université protestante du Congo UPC. Devant le jury composé des éminents professeurs d'université dirigé par le professeur Makengela, président du jury, le récipiendaire. Le chef de travaux Faustin Kayembe a démontré que cette étude réalisée sur 18 banques implantée en RDC a abouti à des résultats concluants tels que veiller sur la gouvernance suivant le contrat de contrôle avant, pendant et après les crédits. Ne jamais négliger les risques en tenant compte de l'inflation présente et future, y compris la rémunération du banquier pour produire un taux d'intérêt attendu. L'exposé ayant des données techniques faisant partie des préoccupations soulevées par les jurys, le récipiendaire était obligé d'expliquer créer à la main le variable retenu par rapport à la taille du conseil d'administration ainsi que la garantie face au risque. Voici la décision du jury après délibération. Le grade du docteur en administration des affaires et la gestion avec la mention grande distinction. Cette étude doctorale étant une première du genre apporte une contribution, souligne le docteur Faustin Kayembe. C'est notre rapport par rapport à la littérature des banquiers. Pourront trouver de la matière pour pouvoir décider en matière de crédit. Même le futur chercheur, nous avons donné des pistes et orienté comment ils peuvent aussi pouvoir développer les mêmes sujets que nous avons pu exposer aujourd'hui en termes de thèse. Il n'était pas qu'entrepreneur du secteur hôtelier. Honoré Moulingou, décédé il y a quelques jours, était aussi un chercheur de sciences de l'information et de la communication. La communauté de l'IFASIC a fait un témoignage élogieux de la vie de cet ancien de l'ISTI. Une rencontre inattendue à l'hôtel Africana Palace, le temps est bien gris. Dans une atmosphère maussade, l'amicale des anciens étudiants de l'ISTI IFASIC s'est retrouvée pour rendre hommage à son président, un digne fils du pays et qui fut étudiant à l'ISTI, Honoré Moulingou, parti dans l'au-delà le 10 juin 2021. L'annonce de sa disparition a plongé cette communauté dans les mois indescriptibles. En attendant l'organisation des obsèques, cette association s'est réunie autour de cette messe organisée en la mémoire de l'illustre disparu. C'était une occasion de prier pour que son âme
trouve une place dans la maison du Très-Haut. Le prélat catholique a souligné dans son homélie que le Seigneur Dieu accorde une belle récompense à ceux qui meurent avec piété. Marié et père de famille, Honoré Moulangou est décédé à l'âge de 72 ans. Après son parcours élogé à l'ISTI, il fut directeur de communication à la Pralima, ensuite à la Banque Centrale du Congo, enfin patron de l'hôtel Africana Palace. Compétent et discret, Honoré Moulangou savait résoudre les problèmes à travers la communication. Que des témoignages qui soulignent ses qualités humaines et professionnelles, Isti Fassik reconnaît de lui un homme rassembleur, des témoignages qui attestent de l'émotion soulevée et partagée par l'amicale des anciens de l'Isti Fassik. Face à son engagement, ses idéaux, ses valeurs, difficile de parler de Honoré Moulangou au passé. Hormis l'éternité tout passé, faisons valoir la grâce, le temps est précieux, quand c'est mortel ce jour tout passé. Et c'est sur cette note émotionnelle que nous bouclons complètement ce journal magazine. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à minuit. Il sera une heure de plus à Goma, dans le Nord Kivu. Bonsoir.